Comment insérer des questions dans un paperboard pour construire un questionnaire que je pourrais utiliser avec les unités ActiveVote, Active Expression ou Active Engage? Une autre capsule pour la série Les têtes actives. Pour créer un nouveau questionnaire, il suffit d'aller dans la boîte à outils principale, sélectionner Menu principal, Fichier, Nouveau, Paperboard. Maintenant, je suis dans un nouveau paperboard qui se nomme Sans titre et je suis dans la page 1. Comment insérer une question dans cette page? Je vais dans la boîte à outils principale, Menu principal, ensuite Insérer, Question. Dans la fenêtre Gestionnaire de questions, je peux voir ici en dessous que le nom du paperboard est sans titre et que je suis bien dans la page 1 de mon paperboard. Comment mettre une question dans cette page? Je vais sous la colonne Questions, je double-clique et à l'aide de mon clavier, je viens écrire la question voulue. Maintenant, sous la colonne Type de question, je clique à l'intérieur et je peux voir apparaître ici à droite toutes les informations que je dois remplir pour terminer la programmation de ma question. Ici, vis-à-vis choix multiples, en cliquant sur la flèche, je peux ici sélectionner le type de réponse voulue. Pour cette question, je désire sélectionner choix multiples. Je peux voir ici que présentement, il y a 6 options. Si je désire laisser à mes élèves que 5 options, je peux aller vis-à-vis l'option 6 et à l'aide d'un clic gauche, cliquer sur le X rouge. Maintenant, il me reste 5 choix possibles. Dans la case Option 1, à l'aide de mon clavier, je dois inscrire une option pour mes élèves. Dans l'option 2, même chose. Je dois faire la même chose pour chacune des options. Quand j'ai terminé d'indiquer chacune des options, je peux maintenant décider de la bonne réponse. Si la réponse E est le bon choix, vis-à-vis la case Réponse correcte, je viens mettre un crochet. Je peux aussi demander à mes élèves de répondre par plus qu'une seule réponse. Donc, si je désire que mes élèves répondent par deux choix, j'indique deux. Mais dans ce cas-ci, je désire qu'un choix. Je peux aussi indiquer un délai de réponse. Finalement, sous la colonne « Propriétés de la page de Paperboard », je viens mettre un crochet vis-à-vis « Remplacer le contenu de la page ». Je peux maintenant choisir un modèle de fond de page. Dans mon cas ici, je vais choisir « Texte standard ». Et finalement, je viens « Appliquer ». « Terminer ». Je suis de retour dans mon paperboard sans titre, toujours à la page 1. Je peux voir maintenant que la question est indiquée sur ma page et tous les choix de réponse. Je peux maintenant mettre un fond d'écran, je peux mettre des objets, des images pour améliorer le côté visuel. Si je regarde dans la boîte à outils principale, il est important d'ajouter l'outil « Commencer, arrêter le vote » du paperboard. Présentement, le bouton est vert puisque j'ai programmé une question dans cette page. Si je change de page, donc présentement je suis rendue dans la page 2, je peux voir que l'outil « Commencer et arrêter le vote du paperboard » est gris pâle puisque je n'ai aucune question de programmer dans cette page. Il existe déjà une capsule dans la série « Les têtes actives » pour vous indiquer comment faire pour ajouter ou enlever une commande dans votre boîte à outils principale. Si je désire maintenant mettre plus d'une question dans mon paperboard, je retourne dans la boîte à outils principale, je sélectionne Menu principal, Insérer, Question. Je suis toujours dans le paperboard sans titre, à la page 1. Il est important de comprendre qu'il est impossible de mettre deux questions dans une même page. Donc, si je désire ajouter une deuxième question, je dois changer ma page.
Donc, présentement, je suis dans la page 2 de mon paperboard sans titre. Je vais sous la colonne « Questions » en double-cliquant et à l'aide de mon clavier, je viens inscrire la question voulue. Ensuite, sous la question, la colonne « Titre », je viens vis-à-vis la colonne de droite ici pour maintenant « Compléter ». Dans ce cas-ci, je vais sélectionner « Oui, non ». On peut voir ici que c'est indiqué « Vrai, faux ». Si je désire que ça soit écrit « Oui, non », je vais vis-à-vis la petite flèche et je sélectionne « Oui ». Donc, on peut voir qu'automatiquement, j'ai le choix « Non ». Je peux aussi cocher « Inclure l'option « Ne sais pas ». Et encore une fois, je peux indiquer la bonne réponse en mettant un crochet vis-à-vis. Je peux aussi choisir un délai pour répondre. Finalement, sous « Propriétés de la page de Paperboard », je mets un crochet « Remplacer le contenu ». Je viens sélectionner ici un fond d'écran. Et ensuite, « Appliquer ». Terminé. Je suis présentement dans le paperboard sans titre à la page 2. J'ai ici ma question et ici mes choix de réponse. Si je désire modifier ici le texte, je peux double-cliquer et indiquer ici « Je ne sais pas ». Maintenant, on peut voir ici dans la boîte à outils principale que l'outil « Commencer à arrêter » est bien vert pour indiquer que maintenant, j'ai bien une question de programmer dans cette page. Quand vous désirez utiliser votre questionnaire, il est important, première chose, d'installer votre ActiveHub dans une prise USB de votre ordinateur. Ensuite, vous devez distribuer à vos élèves l'unité d'évaluation que vous avez, donc soit un ActiveVote, une ActiveExpression ou bien ActiveEngage. Finalement, je vais ici utiliser un questionnaire que j'ai déjà préparé à l'avance. Donc ici, je peux voir que dans la boîte à outils principale, j'ai mon bouton vert, j'appuie dessus et automatiquement, le vote peut commencer. Il existe déjà une capsule vidéo dans la chaîne « Les têtes actives » qui vous explique comment poursuivre cette évaluation. Ici, Nadine Tanguay pour eClass Canada. Si vous désirez me poser des questions supplémentaires, vous pouvez communiquer avec moi sur Facebook Silam Interactif ou bien aller voir toutes les capsules vidéo sur la chaîne « Les têtes actives ».